Allez, à une, à deux, à trois, à... Oh, elles sont tombées du ciel. Plaisir brut, non salé, mélange de noix. Allez, maintenant on le fait avec ça. Extra. À la une. À une, à deux, à trois, à... Kyo kombucha. C'est à quoi? Hibiscus poire. Oh. Thé vert, sancha, permande. Allez, on va voir ça. On a soif. On a soif. Tiens. On a soif. Oh, on voit la télé. Ouais. Il y a manque à la télé. C'est dur, ça. Merde, on a pas fait avec ça ce matin. Ah, ça ne dirige pas. C'est difficile d'un côté pas de l'autre. Ah ouais, mais... Voilà. Oh, je fais pipi. C'est quoi? Ça sent pas beaucoup, hein. L'odeur, ça ressemble à une bière. Oui. Avec le gazeux. Ouais, c'est une bière, ça. Sans alcool, ça, c'est quoi ça? Thé vert. Thé vert. Ouais, thé vert. Ça fait un peu thé, oui. Thé. Petit, hein. Pas beaucoup de goût. Hein. Ça désaltère bien, moi, je trouve. Kombucha. Oh, 200% sans plaisir, zéro culpabilité. Là-bas, là. Ouais. Tu les as posés là-bas? Non, non, là-bas. Tu dois aller sur ça. J'ouvre ça. On va se régaler. Ah, oh. Table. Multinois. Ça a pas beaucoup de goût, ça, franchement, c'est pas. Biscuit, ce poivre. Ouais. Même ça va dire autre chose. Normalement, l'hibiscus, c'est censé te sentir bien. Dès que t'as une boisson d'hibiscus. Là. On sent plus le gazeux qu'autre chose. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ingrédients. Kombucha. Entre parenthèses. Oh. Culture de kombucha. Bactéries et levure, pardon. Non, bêta-glucane de levure. Sucre de canne blanc non raffiné, 4,9%. Thé vert sancha, 0,5. Jus de poire, 1,5. Fleur d'hibiscus, 0,4. Arôme naturel de poire, dioxyde de carbone, issu de l'agriculture biologique et produit non pasteurisé. Ok. À conserver au réfrigérateur entre 0 et 4 degrés pour éviter une reprise de fermentation. Ah oui, c'est fermenté, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, ça y est, je pèse du nez un peu. Ouais. Un peu. Avec des coups de soleil. Ça va? Ça te plaît pas la poire? Elle est de travers, putain. T'as craché dedans.
T'as craché dedans. Ouais. C'est pas la boue, c'est le crachat. J'ai recraché ce que j'y ai bu. Pas le crachat. Et nous regardez bien les vaches aujourd'hui. Oh ouais, putain. Il y avait les veaux aussi, c'est pour ça. Il y avait les veaux, ouais. Il y avait 5 qui regardaient. Il fallait pas s'approcher trop près. Hein. On est arrivé au tout début, il y avait 5 qui nous regardaient. Hein. Pour voir, il peut t'attaquer. Hein. Les petits. Hein. Parce que les gros, je suis sûr que tu peux les caresser. Hein. Hein. Ils n'ont rien. Et les autres, ils ont quelque chose. J'étais à 1 mètre de la vache quand même, qui était allongée. Elle n'a pas bronché. Ouais, mais c'était une vieille, moi, je pense. Tu vois pas qu'ils étaient exclus, celle-là? Triscore. Ah! Ouais. C'est non salé, donc ça va. Là, c'est juste de la poudre. On a partagé. On a partagé. Comment on partage cette vidéo? On partage des vidéos. Kyo! On va aller à Pio, pas à Pio, non. Made in France. Ah ouais. Fabrication artisanale. Ouais, ça se voit que c'est artisanal. C'est ouais. Thé fermenté en fait. Ouais. On sent pas trop la froid. Hein. Ouais. Ni l'hibiscus. On sent surtout de l'eau gazeuse. Ouais, c'est un tout quoi. C'est pour ça que c'est un thé. C'est pour ça que c'est un thé. C'est parce que dès que tu prends un thé, une faible dose de truc. Donc il y a une faible dose de poire et de hibiscus. On le sent quand même un peu. Il y a l'hibiscus. La poire, légèrement sucrée. Quand tu n'aimes pas ça, si tu le bois, c'est bon. On le repas s'en parle. Merci de nous avoir donné ça. Hein. Ouais. Hop. C'est pas non plus extraordinaire, mais bon. On sait pas forcément, quoi. Reconnu sa saveur de l'année 2023. Eh ben, reconnu saveur de l'année 2023. En 2024, non, c'est plus bon. Là. En 2023, je sais pas comment ils ont été. Saveur de l'année. Hein. C'est pas extraordinaire. Ce soir, je vais faire des pâtes chèvre. Ah ouais? Pâtes chèvre. Noix. Noix. Comté. Comté. Oui, il y a un comté là. Ah, non, mais je mets du chèvre, désolé. Ah, oui, mais tu peux rajouter un peu. Mais les noix. Les noix, comme ça. Les noix. J'aurais bien voulu le comté, moi. J'aurais bien voulu goûter le comté. Non. Oh, pas mal, toujours les fromages, hein. Ah bon. Tu peux faire une salade 3 fromages, hein, même si. Moi, je te mettrais pour toi si tu veux, mais. Moi, j'en veux pas. Hmm. Ouais.
Ah là là. Ta là là. Ta là là. On a pique-niqué sur le chemin. Ouais. Au début, on filmait. Mais passé, on avait vu la caméra. Le premier, il passait pas loin avec son piqué, là, de la caméra. Ouais, ouais. Il a enlevé au dernier moment. Il a fait, ah, pardon. Il a dit pardon. Ah, il y a un poisson dans l'eau. Merde. Tombé dans l'eau, là. Une noix qui flottait. Alors, c'est bon? Non, c'est bon, trempé. Attends, je vais essayer. Goûte-le, tu vois, c'est bon. Ça fait plus frais. Ça, c'est pas très frais, ça. Heureusement que l'eau frais. On s'en fait une bouteille d'eau de ça? Tu veux, ouais. Bien rincé. Ouais, ouais. Ah. T'as plu la randonnée? J'ai bien aimé. Le paysage était magnifique. Ouais, ouais. Il y avait une cascade. C'est incroyable. Un cours d'eau qui partait de la falaise tout en haut, descendait. Après, une petite cascade. C'est sympa. Il descendait de 1000 mètres au moins d'altitude. C'est incroyable. Pardon. Ça fait du bien par où ça passe. On a voulu, on voulait faire ammonia. On était loin. Hop. Parce que c'est par là qu'il faut passer. Ouais. Pas aller au col de l'Eas. D'Eas. D'Eas. Au quête des As, et après tu continues sur les crêtes. Ouais. Là, il vaut mieux le faire en deux jours. Hein. Ah ben oui. Tu peux même aller à Pio. Ouais, pour descendre. On est à 5 heures de Pio. Mmh. Vol d'oiseau. En marche. En marche. Ah, vol d'oiseau. Ah non. Vol d'oiseau, on en est à combien de temps? Pas loin. Hein. Pas loin. Une demi-heure. Hein. Ah. Bah, c'est juste la tauté, alors. Incroyable, c'est prêt, mais on fait 2 heures de voiture. Regarde. On a fait plus de voitures que de randonnée. Non, quand même pas. Presque. En comptant de hier à ici, oui, je suis d'accord. Non, pas du tout. Venez pour le reste. Ouais. Je le laisse. Ouais. Devant la caméra, il partage, hein. Mais dès qu'il n'y a pas la caméra. C'est ça, non, je partage toujours. Mais non, mais tu vois que c'est pas gaulé. Hibiscus. Poire. Poire. Hibiscus. Non plus. Un peu quand même. Oh léger, mais bon. C'est quasiment rien. Ça fait un peu cidre. Rappelle-toi la. Cidreté, ça fait. C'est vrai. Rappelle-toi la. Le Schweppes hibiscus à côté. Oui, c'est différent. C'est pas pareil. C'est plus parfumé. Ça, t'as raison, c'est tout à fait ça. C'est cidre. C'est fait un peu en plus, c'est fermenté. C'est tout à fait ça. Je vais faire ses pattes, les fusils. Fusiller? Tu vas me fusiller? Pardon. Alhamdoulilah. Ça fait du bien par où ça passe, faut dire. Alhamdoulilah, c'est les. C'est les autres qui disent ça, c'est pas nous. Pas non, non. Non, je le dis quand même. Ouais, mais...
La fin cool, hein. N'importe quoi. Espèce de zanoude. C'est quoi ça comme langue? Il manque ça, on va le savoir peut-être. Pas fou le cadaille. Ou un truc comme ça, je sais plus. C'est un portugais ça. On va faire toutes les langues. Salut Nara. Konnichiwa. Yes. Hello. Hello. On devient zinzin avec ça. Hola, hola, hola. Ça nous a fait devenir zinzin, je crois. Ouais. Les clés sont là, les clés. Ne montre pas de numéro, ils vont venir le cambrioler. C'est ça, ouais. Il y a rien à cambrioler, là. Il y a des, de quoi manger. Mais il y a ça... des rideaux. De quoi manger, ouais. C'était bon ce qu'on a mangé à midi, hein, quand même, le sandwich. On sait que combien, 3 tartines? Moi, j'en ai pris 2. 3, moi. Quand t'as fait le goinfre, comme d'habitude. 3, c'est pas beaucoup, c'est comme ça, hein. Manger comme ça. Mais j'ai pas eu très faim après en descendant. J'avais faim après, moi. C'est dommage que le. La petite auberge a été fermée. Là. Ouais. En plus, c'est là où t'avais campé dès que t'avais 14 ans. Ils auraient. Je sais pas si c'était les mêmes. Mais je pense que oui, c'était la fille, la petite fille, pardon, qui a repris. Ah. Ils connaissent. Hein. J'aurais dit Gérard Noguet et. Comment il s'appelle l'autre? Damien? Non. Et mince. De toute façon, donc, au pire, si t'as oublié, on regardera la vidéo. Hein. Ouais, je le dis. Ouais. Hein? Non, je le dis pas. Oui, si. Mais je le dis. Ouais. Hervé? Non. Non. Je me rappelle pas. Et à la télé, il y a Monk. On l'aura un peu. Il est magicien. Ouais, ouais, mais c'est lui le tueur. Mais ouais. Il met le sucre à quoi, c'est excellent ça. Ouais. Il va savoir pourquoi il l'a tué. Il va dire, vous avez tué comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Je crois que c'est là où. Où il va faire semblant de faire des aveux, là, de marquer sur le papier. Ah ouais? Il va lui donner le papier, il va flammer dans la main de Monk. Ouais. Il me semble. Wow. Incroyable, là. Il est 6h du soir. Déjà? Ça va être là, je crois. Après, hein, mais ouais. C'est dans cette scène. Il s'est blessé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il saigne, non? Non, non, je crois pas. Non, c'est du rouge qu'il a. Il saigne plus. Qu'est-ce que c'est? Il saignait à l'instant. Voilà, il va chercher le papier. Regarde, regarde. Le papier où il a marqué quoi? Il va marquer ses aveux. Ouais. J'avoue. Nanana. Ah ouais? Ouais. Tu vas voir. Attends, regarde. Ouais. Il va lui donner le papier. Et là, pou. Il avouera jamais. Non.
Mais il va le piéger. Une lettre piégée. Et boum. Moi, je sais déjà, j'ai vu. Je m'en rappelle de celui-là. Oui. La chanson du générique a été élue meilleur générique de 2023. Non, de 2003. 2023. C'est vieux ça, cette série. 2003. 2003, oui. Meilleure chanson de générique. Et ils ont mis. J'ai pas trop aimé parce que c'était rapide. Ils auront mis. Magnum. Magnum. 4 épisodes dans la soirée. Ça finit à minuit et demi. Ils auraient pu faire en 2 fois, tu vois. Après, ils ont mis une merde la semaine d'après. N'importe quoi. Fallait regarder jusqu'à minuit et demi, j'étais fatigué, je faisais. Je vais le suivre. Jusqu'au bout. Heureusement que je l'ai suivi. Ça finit bien en plus, ça finit pas mal. Les prochains, j'ai hâte de les prochains maintenant. S'ils mettent à chaque fois comme ça une journée. Une seule fois. Une soirée, oui. Une soirée. Pas terrible. C'est comme ça, hein. Pas terrible. Non, j'ai bien aimé quand même. C'était bien frais, ça m'a rafraîchi. Rafraîchissant, oui, bien un peu fruité. Un sens surtout pétillant, hein, c'est tout. Oui, oui, ça ressemble à du cidre. Oui, mais bon. Il y a du cidre. C'est sans alcool au moins. Non, il n'y a pas d'alcool. Il y a de l'alcool. Ah bon? Peut contenir des traces d'alcool. 1,2. Ah ouais, bref. Ah ouais, mais tu fais goûter ça à un minot et... Ah, papa! 1,2, même un minot, il sait pas sous. Tu racontes, toi. Je te faisais boire du cidre, c'était plus encore plus important, c'est 2,8. Et moi, j'ai bu du vin à 2 ans! Contre ton gré. Le serveur, il a servi du vin. Du sirop quand même. Une demi-heure après, non, même pas. Un quart d'heure après, tu dormais. Même pas, on est juste. 5 minutes, on est juste allé à la voiture, c'est bon. Non, t'es resté. Hein. D'un coup, tu t'es assis, pouf. C'est un bon, mais. 15 minutes après, tu dormais. C'était achevé. Ah, oui, normal. C'est le serveur qui t'a dit ce que tu veux, tu veux boire, tu sais. T'as donné du vin, mais. Quel homme. Foiré. Je l'ai vu faire en plus de loin, mais je me suis dit, mais il va pas lui donner du vin quand même. Et moi en plus, je l'ai bu cul sec, hein. Tu sais. Je vais avoir 4 ans. Non, pas tu sais que j'avais bu cul sec, hein. Mmh. Oui, tu l'as bu du vin, ouais. Cul sec. Ouais. J'ai bu cul sec et après, je me suis dit. Pas cul sec, t'as fait comme ça. Il est aigre, hein, cette grenadine là. Je me suis dit dans ma tête. C'est la seule chose que je me rappelle le plus ancien possible. C'était pas frais en plus, parce que c'est du rouge. Mmh. Bon, vous s'installez devant votre canapé. Ouais. On prend nos aises, hein, les amis. C'est... Ciao. Ciao, ciao. Pousse, pousse, pousse. Pas toujours bien préparé. Et ne cassez pas les planètes.